Et yo les potes, c'est Prince, on se retrouve pour une nouvelle boutique, donc celle du 8 janvier 2020. Ok, donc celle-là, évidemment, elle est pas à 18h vu que bah les cours c'est à midi le mercredi, sauf ça dépend des écoles. Enfin, bon, on s'en fout, je vous raconte pas ma vie. Alors, le bombardeur fluo, ok. En vrai, il est pas ouf, mais par contre, son outil de collecte, j'aime beaucoup. J'aime bien. En plus, le tout à 1200, un petit pack, donc c'est sympa. Ensuite, la tenue rapace à 2000 V-Bucks avec son petit style Halloween. Ah, je savais pas qu'il l'avait remis. Je croyais que c'était que pour Halloween, genre pendant la période quand tu l'achetais. Mais en fin de compte, non. Vous pouvez l'acheter dès maintenant. Magnifique. Malheureusement, le petit sac à dos n'a pas de variante. Alors que c'est quand même 2000 V-Bucks, c'est un peu cher. La tenue Vélocité, ok, au prix de 2000 V-Bucks. Pareil, pas encore de style, mais je pense qu'il va bientôt en avoir, vu le prix. Le Bombardier, au prix de 1200 V-Bucks. Ok. Et bois sans soif, classique. D'ailleurs, il devrait l'enlever de cette catégorie parce que c'est Slurp, c'est pas vraiment le skin à rapace, à moins que j'ai loupé l'histoire. Mais il devrait le mettre avec le nouveau skin. Ok. Ensuite, la grande méchante hache. Ok. J'aime bien. Petit revêtement chasse au loup. Ok, 500 V-Bucks. Et la tenue fabulatrice au prix de 1500 V-Bucks. Très belle aussi. Ok. Alors on continue avec Elf Bleu de la Nuit. Ça doit faire un bon moment qu'il est parvenu. Donc ce skin est vraiment rare. Surtout ce sac à dos. Je suis sûr que beaucoup ne le connaissaient même pas. Parce qu'avant il n'avait pas de sac à dos, mais depuis il en a un. Ensuite, Canonnière de la Brute. Ok, au prix de 800. Ce skin ressort beaucoup. Donc voilà, pas ouf. Décharge Fluo. Donc nouveau revêtement, je crois. Ok. Ensuite, l'Emote Poule. Pareil, qui est assez rare celle-là, elle a dû sortir 3-4 fois dans la boutique, pas plus. Ensuite, bâton de feu. Pareil, celle-là, elle me semble que ça fait un petit moment qu'elle est parvenue. Et glace à l'eau, celle-là, ça fait encore plus longtemps. Petit bug visuel, je sais pas. Ici, on peut voir que c'est en bois et en bois, le bâtonnet, et là, il est tout bleu, donc petit bug, je pense. J'ai envie de me l'acheter, mais voilà. Allez, du coup c'est tout pour cette boutique, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Salut.